B-O-N-J-O-U-R. Bonjour. Je vois que ça vous rassure de m'entendre prononcer ces quelques mots. Je dis ça parce que j'ai senti un petit malaise chez certaines personnes, sûrement parce qu'elles ne comprenaient pas ce qu'on disait avec Lina. En parlant de comprendre, est-ce qu'on pourrait savoir à main levée combien de personnes comprennent ce que Lina dit? Ah waouh, aucune personne n'a compris. Ok, et pourtant Lina s'exprime clairement en sa langue maternelle qui est la LSQ, le langage signé québécois. On est aujourd'hui à Montréal, une ville du Québec, et pourtant personne dans la salle ne comprend. En passant, je voudrais remercier notre interprète d'être présente avec nous aujourd'hui et de traduire notre présentation pour les personnes qui en ont besoin. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi Lina n'arrive pas à communiquer avec vous. Pour comprendre pourquoi cette communication ne marche pas, on va voir ce qui se passe quand une communication marche. Présentement, je vous parle, donc je conçois mon message, je pense à une idée, c'est bon, c'est fait, puis je vais créer mon message. Étant donné qu'on est dans une conférence francophone, je vais utiliser le français pour coder ce message-là, et puis ce dernier va se propager dans l'air de cette pièce pour parvenir à vos oreilles, qui d'ailleurs ne sont pas aussi grandes que celles de mes bonhommes allumettes, mais qui, du moins, sont fonctionnels. Donc, vous interprétez mon message en utilisant les éléments de votre carte mentale, notamment votre culture, vos acquis communicationnels, puis tout plein d'autres éléments, et vous comprenez le contenu de mon message. Lorsqu'un malentendant s'exprime envers vous, il utilise sensiblement le même processus que je suis en train d'utiliser présentement. La seule différence est qu'au lieu d'utiliser la voix pour coder son message, il utilise un éventail de signes qui constitue sa langue. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce message arrive, parvient à nous, parce qu'on voit Lina signer son message. On ne comprend pas parce qu'on n'arrive pas à décoder son message, on n'arrive pas à décrypter l'information. Donc, pour qu'un sourd-muet puisse entrer en communication avec nous, il doit avoir recours au service d'un interprète. Donc vous imaginez que cet interprète-là doit être présent à chaque fois que la personne concernée a besoin de lui. Il en va de soi qu'il doit être récompensé pour son service, donc rémunéré entre autres. Et puis vous imaginez que cela réduit en quelque sorte l'autonomie de la personne concernée. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est d'apporter une solution complémentaire au service d'interprétation pour les sourds et muets. Peut-être que la technologie pourrait nous permettre d'arriver à cela. Ce que nous voulons faire, au fait, c'est d'augmenter l'autonomie des personnes qui communiquent comme Lina, et puis leur permettre d'embarquer pleinement dans le train du progrès. Donc cette solution-là, nous allons la voir avec mon collègue, Lucas, qui va prendre la parole et qui va vous expliquer comment on construit cela. Donc, dans la main droite, on peut voir, en fait, c'est notre preuve de concept que nous avons réalisée. C'est la première version d'un grand sensoriel qui peut traduire le langage des signes. Et sur notre main droite, c'est la version sur laquelle on travaille. Comme vous pouvez voir, beaucoup plus sexy, en fait. Et en plus, cette version pourrait être sans fil. Donc, les fils que vous voyez pendre jusqu'à mon ordinateur pour la démonstration ne seront plus pédantes. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous ce soir, c'est de penser avec vous, sur scène, comment réaliser un tel grand sensoriel. Alors, qui sera accessible au grand public? Alors, si nous observons les gestes que Lina fait pour traduire mon message, nous pouvons voir qu'elle utilise la majorité du haut du corps. Par conséquent, nous pourrions utiliser, par exemple, des gants, car nous remarquons qu'elle utilise majoritairement ses deux mains pour communiquer. En plus, ses gestes doivent être précis et fluides pour pouvoir traduire, donc il nous faut positionner la main dans l'espace et aussi capter la forme de la main en tout temps. Pour ce faire, nous devons utiliser beaucoup de capteurs, donc ces capteurs doivent être peu coûteux pour pouvoir être accessibles au grand public, et en plus, ces capteurs doivent être très petits pour qu'on puisse quasiment les tisser dans le gant, afin que ça soit facile à porter et confortable. Alors, nous pouvons simplement penser à utiliser des fibres optiques. En fait, ce que c'est des fibres optiques, c'est un petit fil transparent qui a comme propriété de transporter la lumière d'un bout à l'autre du fil, comme un peu un tuyau d'arrosage va le faire pour l'eau, tout simplement. Alors, si on installe des fibres optiques un peu partout sur la main, en positionnant un capteur de lumière sur une phalange et un détecteur de lumière sur l'autre, un capteur de lumière et une source, excusez-moi, lorsque nous allons plier le doigt, la fibre optique va s'éloigner de sa source lumineuse, donc nous allons enregistrer une perte d'intensité lumineuse avec le capteur optique. Cette perte d'intensité lumineuse-là va avoir une relation directe avec la flexion du doigt. Par conséquent, nous sommes capables de modéliser la main en tout temps. Ensuite, pour avoir les gestes complets, nous devons aussi positionner la main dans l'espace. Pour ce faire, nous pouvons utiliser en fait exactement les mêmes puces qui se trouvent dans les cellulaires d'à peu près tout le monde dans la salle, soit des petites puces qui vous permettent, par exemple, de changer l'orientation de votre affichage de votre cellulaire. En fait, ce qui se passe dans vos cellulaires, c'est qu'en tout temps, il identifie l'orientation de votre cellulaire, soit verticale et horizontale, et lorsqu'il voit qu'il est horizontal, il change votre affichage. Par conséquent, nous, en utilisant à peu près le même système, mais amélioré, nous pouvons positionner la main dans l'espace et l'orienter en tout temps. Par conséquent, nous avons les gestes complets, précis et fluides de l'INA, que nous pouvons envoyer par la suite à un ordinateur, et cet ordinateur va réaliser une traduction de langage des signes en reconnaissant mot par mot. Alors, aujourd'hui, nous allons vous faire une démonstration. La démonstration, en fait, sera faite avec seulement un gant pour vous montrer à quel point il serait possible de réaliser le concept. Avec un gant, et en plus, ce gant est le gant de notre preuve de concept. Donc, comme vous pouvez voir, il y a encore du chemin à faire, sauf qu'on peut réaliser une traduction quand même efficace. Je vais traduire en fait la phrase que l'INA a réalisée au début pour que vous puissiez, pour que l'INA puisse partager le message qu'elle va vous dire au début. Alors, comme qu'on voit à l'écran, le petit programme. La phrase qu'on a voulu dire, c'est « J'ai des idées qui gagnent à être partagées ». Alors, comme vous voyez, la phrase qui a été traduite est très différente de la vraie, de la phrase qu'on voulait utiliser. Mais en fait, c'est pas une erreur de notre logiciel. Notre logiciel marche très bien en passant. c'est que la langue des signes est une langue à part entière, donc elle est basée sur des principes sémantiques complètement différents de la langue française. D'ailleurs, cet exemple-là illustre bien le défi que représente la traduction du langage des signes. En fait, pour parvenir à relever ce défi, on n'aura pas le choix, il va falloir collaborer. Il va falloir collaborer avec des interprètes comme l'INA, des muets, c'est-à-dire des sourds. Il va également falloir collaborer avec des ingénieurs, des informaticiens, des linguistes pour pouvoir vraiment amener cette technologie-là à maturité. Si on imaginait un peu qu'est-ce qui pourrait arriver avec cette collaboration-là. Qu'est-ce qui pourrait émerger de tout ça? Bien, d'abord, un système complet serait capable de reconnaître le contexte de la conversation, de reconnaître tous les signes et de faire des phrases complètes en un français correct qui pourraient être affichées sur un écran ou qui pourraient être lues par une voix artificielle. Ainsi, la technologie donnerait une voix aux personnes sourdes le temps d'une conversation. De plus, les gens vont pouvoir apprendre leur propre manière de parler à leur machine. Ils vont pouvoir personnaliser leur communication, leur apprendre leurs mots, leur apprendre leurs signes. Et ici, la technologie est vraiment accessible à tous, vraiment pas chère. Bien, des gens partout dans le monde pourraient y avoir accès et, comme ça, apprendre à leur machine leur manière de parler. Ainsi, en connectant tous ces systèmes par Internet, on pourrait faire une grande bibliothèque de la langue des signes. Avec un outil comme ça, les malentendants pourraient se comprendre entre eux à travers le monde. De plus, la langue des signes pourrait s'enrichir de la contribution de chacun. Mais on peut aller plus loin encore dans la recherche et puis créer des algorithmes de traduction du langage des signes pour d'autres langues parlées que le français. On pourrait imaginer toutes les langues du monde. Maintenant, les malentendants pourraient se faire comprendre non seulement de leurs compères malentendants dans les autres pays, mais aussi des entendants. Si on arrive à un tel avancement dans la technologie, les malentendants auront rattrapé leur retard par rapport à nous, mais en plus, ils pourront dépasser les limites de la communication. Ils pourront aller jusqu'à briser les barrières de la langue. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce qui nous tient le plus à cœur dans cette technologie, c'est l'impact qu'elle peut avoir sur le quotidien des gens. Imaginez-vous que vous êtes dans votre bureau, vous êtes sourd-muet et vous n'avez pas accès au service d'un interprète. C'est le cas dans la plupart du temps. Bien, en fait, si vous avez cette technologie-là accessible, vous ouvrez le tiroir de votre bureau, vous enfilez vos gants, puis vous pouvez vous faire comprendre de vos collègues. Ça va vraiment augmenter votre autonomie. Alors, on voit que cette technologie a vraiment le potentiel de changer le quotidien des gens, non seulement au travail, mais aussi dans les loisirs. J'aimerais vous laisser avec ceci. Prochaine fois que vous allez prendre l'avion pour partir en voyage, imaginez, jouez encore le même jeu, pensez que vous êtes sourd-muet et que votre seule langue, ce soit le langage des signes. Vous allez alors saisir pleinement la raison d'être de ces gants. Merci de votre attention.